Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Très heureux, comme toujours, de vous retrouver de plus en plus nombreux, il faut l'avouer, à suivre cette émission en profondeur. Merci pour vos réactions qui sont toutes sympathiques. Franchement, merci. Je vais d'abord vous présenter les personnes qui vont m'accompagner pour animer cette émission aujourd'hui. D'abord, voilà, Monsieur Jean-Jacques Mamba. Monsieur Jean-Jacques Mamba, bonsoir et bonjour. Bonsoir. Alors, si on devait vous présenter en quelques mots, on dirait quoi? Dans le cadre de cette émission, je suis un citoyen congolais qui a des expériences à partager, tout simplement. Un citoyen congolais qui a des expériences à partager. Monsieur Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Monsieur Jos Kalenga, le plus jeune de l'émission, bonsoir et bonjour. Bonsoir, Monsieur Kibambi. Pour d'abord vous dire que vous deux qui avez assisté à la dernière émission, que les téléspectateurs ont appelé très très nombreux pour vous dire que vous étiez sur la bonne voie. Moi compris, bien entendu. Mais comme je suis chrétien, je commence d'abord par les autres. Je voudrais, avant de terminer, rendre hommage au professeur Émile Bongeli, qui est un ancien de profondeur et qui va revenir très incessamment. Il vient de publier un livre, L'émergence par la science pour une recherche scientifique citoyenne au Congo-Kinshasa. Alors, il dit ceci dans l'introduction de son livre: on passe énormément de temps à regarder les séries télévisées euro-américaines ou à suivre des chaînes de propagande occidentale, mais rarement on se met ensemble pour débattre des questions qui touchent à la survie du pays, des communautés, des individus soumis à des caprices de la nature et des autres pays, et hommes mieux organisés dans un contexte de mondialisation incontournable. Ici, on semble tourner délibérément le dos à l'activité intellectuelle cognitive qui seule peut engager les humains à mener des actions collectives et individuelles réfléchies, susceptibles de rendre leur existence moins incertaine et plus aisée. Fin de citation, écrit le professeur Bongeli. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même, pour ceux qui vont suivre ce numéro sans avoir suivi l'autre, demander à M. Bonigaba d'essayer un petit résumé en quelques mots de ce que nous avons dit la semaine dernière dans cette série consacrée à l'éducation comme l'alpha et l'oméga. Oui, je crois que en quelques mots, on peut dire que dans l'émission précédente, nous avons en fait poursuivi le procès de notre système éducatif pour mettre en lumière le fait que ce système a été conçu pour une finalité bien déterminée par rapport à celui qui l'a conçu, c'est-à-dire les colonisateurs. Et lorsque ce colonisateur, lui, conçoit ce système, il veut avoir des auxiliaires, des gens qui vont l'aider dans son œuvre d'exploitation de la colonie. Et il s'est fait qu'au moment de l'indépendance, alors que quelqu'un comme Mabika Kalanda nous invite à remettre en question ce système-là que nous venons d'hériter, il ne sera hélas pas suivi. Ce qui fait que ce système a continué à reproduire des Congolais qui ont gardé cette mentalité d'éternel assisté, parce que c'était ça l'essence de ce système. Du coup, nous devons, d'ailleurs notre ami le jeune Joss à côté a dit que c'est un système qui a juste formé des gens pour aller chercher des emplois après leur formation, au lieu de les préparer à créer eux-mêmes des emplois. Parce qu'effectivement, si on doit réfléchir sur un nouveau système éducatif, ce sera peut-être l'objet de cette émission aujourd'hui, ce serait de former des hommes et des femmes qui ont cette mentalité de développement, cette mentalité d'entrepreneur, de conquérant, de bâtisseur. Et donc,
je crois qu'en résumé, on peut dire que le système que nous avons gardé, parce qu'après l'indépendance, nous ne l'avons pas changé, a continué à reproduire des gens qui n'ont pas la mentalité qu'il faut pour que le Congo prenne la trajectoire, la bonne trajectoire du développement. C'est vrai qu'il y a eu quelques réformes. Il y a eu une réforme en 1961, la réforme de l'ONU, qui nous a amené les cycles d'orientation, et puis une autre réforme qui n'ont vraiment pas boosté notre enseignement pour qu'elle atteigne les cimes. Monsieur Jean-Jacques Mamba, quand vous écoutez ce résumé, qu'est-ce que ça vous fait penser? À quoi ça vous fait penser? Écoutez, je suis tout à fait ravi parce que c'est une réflexion latente. C'est des choses auxquelles nous pensons tous les jours, qui nécessitent absolument des actions rapides. Lorsque je parle d'actions rapides, effectivement, une restructuration de notre modèle d'enseignement, mais surtout essayer de synchroniser nos besoins en développement avec les personnes que nous formons. Parce qu'in fine, la finalité des formations et de l'éducation, c'est au fait répondre aux besoins de la société. Donc dès lors que nous les avons établis, nous devons essayer de faire absorber aux différents secteurs de l'économie et de l'industrie une masse des jeunes formés à dessein, de telle sorte que nous n'ayons plus besoin d'importer de la main-d'œuvre, même pour des choses qui sont tout à fait banales. L'exemple de la Chine nous enseigne très bien qu'aujourd'hui, un investisseur, quel que soit le domaine dans lequel il veut investir, il a du répondant dans des pays asiatiques parce que dans chaque filière, il y a des personnes formées. Et donc, lorsque vous m'aviez invité, c'est tout un honneur pour moi d'être dans cette émission, j'ai essayé de parcourir mes notes, notamment j'avais animé, j'ai été invité ici il y a quelques années pour une conférence sur l'éducation à l'université protestante au Congo lors du cinquantenaire, et j'ai vite jeté un coup d'œil sur les statistiques de l'INPP, qui est l'Institut National de la Préparation Professionnelle. Créée en 64, deux ans après, elle produit 166 stagiaires formés. Aujourd'hui, alors, je vais prendre les dernières statistiques de 2015, elle en a produit 36 000. Lorsqu'on prend de manière absolue, c'est une progression fantastique, mais de manière relative par rapport aux besoins et par rapport à la quantité des personnes qui sont dans le besoin d'obtenir cette formation, c'est largement insuffisant. Et on peut donner comme ça très rapidement un exemple. Au Brésil, par exemple, vous avez une institution qu'on appelle CEMEI qui produit 3 millions ou qui forme 3 millions de jeunes par an. Alors, lorsque vous prenez 3 millions de jeunes et 36 000 jeunes que l'INPP forme, vous comprendrez très bien que c'est insignifiant. Mais cela, ce n'est pas pour jeter un anathème, parce que je pense aussi que ceux qui dirigent l'INPP actuellement sont butés à des difficultés. J'ai vu dernièrement le DG recevoir certaines récompenses, parce que de manière absolue, faire cette progression du moment qu'il était là, de près de 500, 600, 700%, c'est quand même à féliciter. Mais quelles sont les barrières? La première barrière, c'est qu'effectivement, les personnes qui vont dans ce genre d'institution payent eux-mêmes. Contrairement à ce qui se fait à l'étranger, eux doivent financer leur cursus. Donc on devrait voir, comme c'est le cas au Japon, où vous avez près de 50% de manière générale qui sont affectés à l'éducation dans toutes les filières, de manière directe ou indirecte. Il faudrait qu'on voit comment est-ce que nous ventilons nos budgets, de telle sorte que nous puissions avoir une quantité assez importante affectée à des institutions comme celle-là, pour accroître, au fait, si vous voulez, l'accessibilité. Mais pour revenir à l'esprit de ce qui a été dit précédemment par rapport à la colonisation, j'aimerais faire un commentaire. Il y a un problème culturel. Aujourd'hui, lorsque vous abordez les gens et que vous commettez une faute en français facile, on dit que vous n'êtes pas intelligent. Ou on assimile le fait que vous n'êtes pas intelligent parce qu'on confond des fois l'éloquence et l'intelligence, parce que la langue, c'est une très grosse barrière. Pourquoi je parle de la langue? Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a eu cette ségrégation entre ceux qu'on qualifiait d'évolués parce qu'ils étaient les plus proches des colons et ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui apprenaient à manger avec la fourchette et le couteau et ceux qui ne pouvaient pas le faire, donc les indigènes, on a gardé cette tendance à croire que lorsque quelqu'un s'exprime correctement, lorsqu'il a un diplôme, il est intelligent et il est compétent pour une fonction, sans vérifier ce que moi je peux appeler de manière très isolée, mesurer son QI.
Ça veut dire qu'on peut trouver des personnes dans le maillon B profond qui ont un QI 10 fois plus élevé, mais qui n'ont pas eu accès à l'éducation. Ce sont des cerveaux qui chôment, qui ne sont pas utiles à notre économie pour la bonne et simple raison qu'ils sont exclus du système de l'enseignement. Et même quand ils y sont, ils ne savent pas. D'abord, ils doivent faire un effort pour apprendre la langue et après apprendre la matière dans la langue. C'est deux fois plus d'efforts. Ce qu'il faut faire, les pistes, la deuxième piste, en dehors du fait qu'on doit renforcer les institutions, c'est aussi vérifier dans quelle mesure l'on pourrait, pour les besoins de l'économie, décentraliser l'enseignement en termes linguistiques. Permettre, par exemple, à quelqu'un d'apprendre la chimie en Kikongo. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans son Mayumbe n'a pas besoin de se déplacer exode rural pour venir apprendre sa chimie ici à Kinshasa et en français. Dès lors que nous avons cette possibilité de casser cette barrière de la langue, nous allons produire, entre guillemets, des ingénieurs très outillés qui n'auront pas ce devoir-là de formation, mais on peut aussi avoir des filières spécialisées qui vont faciliter, au fait, l'intégration industrielle à tous les niveaux et sur toute l'étendue du territoire. Merci, Monsieur Mamba, pour votre intervention. Alors, Joss, vous parliez justement du fait qu'on formait des gens qui étaient demandeurs d'emploi au lieu de former ceux qui créeraient de l'emploi. Là, nous parlons du secteur technique. Et vous avez à redire par rapport à ce qui vient d'être dit. Je suis tout à fait d'accord avec M. Jean-Jacques Mamba. Exactement, le facteur langue est un vrai obstacle pour ceux qui veulent apprendre dans les écoles. Et ici, j'admire aussi mes amis quand nous étions encore à l'université. Pendant la pause, ils discutaient leurs cours en TTLA. Là, je vois les amis qui venaient directement de l'OJA. C'était une façon pour eux de se faire comprendre plus rapidement. C'est-à-dire que celui qui a bien compris le coup dans l'auditoire, il pouvait faire part aux amis à travers leur langue qu'il maîtrisait très facilement. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Il fallait y penser. Oui. Donc, c'était un peu de cette manière-là qu'ils essayaient un peu de changer le cours. Mais aussi, il faut le rappeler, aujourd'hui, dans notre pays, avec le système éducatif, nous avons tous mis en tête que celui qui a fait l'université, c'est celui qui est plus utile. C'est-à-dire qu'il n'y a que celui qui est licencié ou gradué qui est plus utile ou qui sera un peu plus respecté dans la société. Donc nous avions oublié la filière que M. Jean-Jacques Mamba a présentée, la filière professionnelle, des métiers. J'ai encore à l'image le livre de M. J'ai oublié le nom, qui a écrit le « Deux clins et deux clics », où il a parlé qu'il fallait essayer de mettre une éducation plus proche là où les jeunes se retrouvent. Par exemple, les jeunes qui habitent dans des milieux ruraux. Il faut apporter de l'éducation par rapport à ceux qu'ils ont en face d'eux. Par exemple, ceux qui sont tout proches des terres, comment il faudrait faire de l'agriculture. Ça aurait permis en sorte que, dès qu'ils terminent à apprendre, qu'ils se lancent dans la vie professionnelle. Alors, lorsqu'on présente les choses de cette manière, on comprend qu'il y a lieu de commencer à réformer d'abord par rapport à la langue, mais aussi par rapport au contenu. Aujourd'hui, j'ai même suivi CIPA hier, le projet de M. Macron, où il présente qu'il faudrait essayer un peu de diminuer avec des tests à la fin de l'année pour les élèves, mais tout en leur permettant de s'adapter à chaque fois qu'ils sont en train de poursuivre leur cursus. Et par rapport à cette imagination de la création. C'est vrai, c'est le contenu qui fait en sorte qu'aujourd'hui, lorsque nous terminons les études, nous avons cette barrière de ne pas avoir du travail très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on s'attend qu'après avoir fini mes études, je dois être engagé dans X ou Y société. Alors que nous avions acquis de l'expérience ou bien de la matière pour être aussi ceux qui pourront créer de l'emploi pour les autres. C'est un peu de cette manière qu'il faudrait maintenant mettre de l'éducation pour les jeunes. Si on leur donne de l'imagination que dès que vous terminez à apprendre, vous devez aussi permettre à ceux qui sont en train de chercher du travail à avoir du travail au lieu d'aller toquer les portes. Parlons de vous-même. Vous êtes juriste. Vos objectifs, vos ambitions, c'est quoi ? Oui, parlons de moi-même. Au-delà que je sois juriste, maintenant là, nous sommes dans un bureau d'études de projets avec des amis. Nous sommes en train d'analyser des projets pour essayer de voir dans le domaine agro-business, c'est-à-dire dans le domaine de l'agriculture. Nous voulons un peu se lancer de ce niveau-là. Voilà. C'est extraordinaire, hein, tout ce que disent ces jeunes. Votre réaction ? Oui, effectivement, nous découvrons qu'il y a des pistes très intéressantes qu'il faut explorer, notamment cette idée de
de casser cette barrière, de la supprimer même, pour rendre plus accessible le savoir. Parce que s'il faut d'abord apprendre une langue étrangère, pour ensuite aller apprendre telle ou telle matière dans cette langue-là, on voit qu'effectivement, il y a une difficulté. Mais en même temps, nous avons une autre difficulté qui se présente à ce moment-là, c'est que si on va dans la logique de dire, bon, on généralise l'enseignement dans nos langues, nous en avons quatre. Et là, le risque, c'est un peu les aires linguistiques comme en Belgique, il y aura d'un côté ceci, etc. Et donc là, c'est une réelle difficulté également. J'ai vu un pays comme la Tanzanie, où ils ont, depuis le début, compris qu'il fallait effectivement indigéniser l'éducation en utilisant la langue locale, le swahili. Et aujourd'hui, j'ai suivi un jour un débat au Parlement tanzanien en swahili, mais c'est magnifique. Lorsque vous voyez tous ces députés présenter leur projet en swahili, et c'est agréable. Mais eux, c'est une seule langue. Donc, c'est relativement plus facile. Mais quand on en a quatre, on va avoir du mal à concilier le souci d'intégration nationale avec ce souci de rapprocher le savoir de ceux qui doivent apprendre. Donc, c'est une bonne piste, mais en même temps, on voit cette difficulté-là qui se pointe à l'horizon. Alors, mais, naturellement, il y a aussi notre ami Mamba, a mis en évidence le besoin de formation professionnelle sur une échelle plus large par rapport à ce qui se fait actuellement, parce qu'il faut effectivement préparer ces jeunes à être utiles directement, à être directement productifs par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Bon, c'est vraiment dérisoire. 80 millions d'habitants, vous sortez, vous avez dit combien ? 36 000 sur une année. Bon, ça, effectivement, ça paraît impressionnant par rapport à d'où l'on vient, mais par rapport à 80 millions de Congolais, c'est toujours dérisoire et ça crée une réelle difficulté pour les investisseurs. Donc, dans les pistes que nous allons mettre sur la table, il faudra tenir compte de tout ça et de tous ces éléments. Et moi, je crois que le moment venu, je pourrais aussi donner quelques... D'accord. Mais pour arriver justement à mettre en marche votre proposition, encore faudrait-il briser le mythe du diplôme dans notre pays, le mythe du diplôme, mais le mythe de l'université. Parce que finalement, nous avons des universitaires qui chôment. Si c'est ça l'objectif, on s'est trompé de route. Il faut briser ça, non ? Oui, exactement, mais juste pour revenir sur la question des langues, bon, il a donné l'exemple de la Belgique, vous avez les Flamands, vous avez les Wallons, c'est un tout petit pays, et vous avez Bruxelles où tout le monde doit parler français, tout le monde doit parler néerlandais. Je pense que les dimensions de notre pays, et par rapport à la décentralisation qui est faite, qui exige à ce qu'effectivement les entités décentralisées se prennent en charge, vous allez bien constater que lorsque vous êtes dans un milieu comme Matadi, vous êtes à Boumé, ainsi de suite, ce n'est pas la français la langue qui est la langue prioritaire. Ils s'expriment dans leur langue. Lorsque vous allez au Kassai, c'est pareil. Donc ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous aimerions qu'un investisseur qui arrive au Kassai, un investisseur qui arrive au Bakongo, qui arrive au Bandundu, s'adapte et non le contraire à l'environnement. Et comme vous aviez dit qu'on devrait rapprocher l'éducation des réalités de terrain, que lui s'adapte pour trouver des personnes qui sont tout à fait qualifiées pour exécuter les tâches en donnant de l'emploi ainsi de suite, mais de manière très spécifique. Parce que vous allez en Chine, vous avez des universités aussi anciennes qu'en chinois. Maintenant, ce sont des investisseurs qui viennent, qui ont le travail de traduction ainsi de suite, mais au moins, le savoir est là et il y a la compétence. Bon, maintenant, je peux avancer aussi par rapport au diplôme. Effectivement, chez nous, je me rappelle, lorsque j'étais aux humanités, mon père me demande, qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, je veux être électricien. Il me dit, tu es fou. Parce que dans le système postcolonial, les gens, en fait, nos autorités de l'époque enviaient les colons. Nous assistions les colons et eux voulaient se faire assister. Donc ils avaient des cabinets très larges où vous avez des personnes qui venaient leur parler du droit, qui venaient leur parler d'économie, qui venaient leur parler de sécurité. Et ils ont commencé à se comporter pire que les,
que les colons, dans la mesure où ils ont dévalorisé tous les services. Vous savez, lorsque vous êtes en Belgique et que vous perdez votre clé pour ouvrir votre maison, que vous appelez un serrurier la nuit, pour qu'il arrive chez vous, vous payez 100 euros avant qu'il commence à ouvrir votre porte. Et quand il finit, vous ne vous étonnez pas de payer 200. Un ingénieur civil dans un pays comme la France, la Belgique, gagne en moyenne 5000 euros. Il n'y a pas commune mesure avec un juriste ou un économiste qui travaille dans une banque. Je veux dire que ce sont des professions, ce sont des filières qui sont valorisées. Et d'ailleurs, vous avez les populations en Europe occidentale qui vieillissent. Lorsqu'on vous parle d'immigration choisie, c'est parce que comme le niveau de vie des Européens qui ne veulent plus faire d'enfants a augmenté, ben vous avez des populations vieillissantes et vous avez des réels besoins en main-d'œuvre pour la fabrication des voitures et ainsi de suite. Mais ce sont des main-d'œuvre spécialisées. Et donc, dans ces filières-là, vous verrez qu'il y a des politiques, par exemple, chez les Flamands, ce qu'ils appellent le contrat social, qui poussent les gens, lorsque vous arrivez vers... lorsqu'ils vous choisissent comme immigrants, à aller dans ces filières-là parce qu'ils les financent. Ça veut dire que vous avez deux immigrés qui demandent l'asile en Flandre. Il y a un qui est érudit, qui va faire le droit, il ne recevra rien du gouvernement flamand, mais celui qui va faire la plomberie, pendant qu'il va au cours, il reçoit une bourse. Pour la bonne et simple raison que l'économie exige ce genre de profession, mais aussi les nantis ne veulent plus les faire et il y a un réel besoin de telle sorte que nous pouvons avoir des stratégies pour orienter. Donc, de manière globale, ce que je pense, c'est que nous devons d'abord évaluer nos besoins. Effectivement, nous avons des besoins dans tous les domaines, voir notre capacité d'absorption et orienter les différentes formations pour que nous-mêmes, notre marché local de l'emploi, puisse consommer ou absorber toute la demande en construction, en industrie et en services que nous avons. Et ce n'est qu'après cela qu'on pourra effectivement aller vers l'étranger. Donc, en ce qui concerne les diplômes, prenons le système anglais. Vous pouvez expliquer du matin au soir et mettre votre pile de diplômes sur la table, mais l'anglais va voir ce que vous êtes capable de faire. Ce qui l'intéresse, c'est ce que vous êtes capable de faire. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, pour épiloguer, des groupes comme Google, des gens comme des Steve Jobs, des gens comme des Microsoft, le monsieur là, j'ai encore oublié son nom, c'est des gens qui n'ont même pas fini l'université. C'est-à-dire, c'est des gens qui, lorsqu'il est dans un sujet de recherche et qu'il se dit qu'il va créer quelque chose, il s'investit tellement qu'il devient spécialiste sans pour autant avoir une certification conduisant un diplôme. Mais ce n'est que par la suite que les universités vont lui décerner un diplôme de par le travail et l'expérience et le service qu'il a rendu à la communauté. Le problème, Jean-Jacques, c'est celui-ci, c'est que là, ils évoluent, disons, dans un milieu où on encourage effectivement ce genre de choses, vous venez de le dire. Mais ici, chez nous, comme il n'y a pas beaucoup de riches, et le système étant celui dans lequel nous vivons, ça devient fatalement un peu plus difficile. On en est réduit à se tourner seulement vers l'INP. D'ailleurs, le besoin est énorme. Quand vous arrêtez dans un garage, vous trouvez beaucoup de jeunes gens qui viennent vers le maître apprendre le métier. Le besoin est énorme, mais ce sont peut-être des structures qu'il va falloir créer. Non ? Effectivement, comme M. Jean-Jacques Bam vient de le présenter, je le dis, pour essayer de changer les choses, il faudrait créer dans la tête des enfants l'imagination, l'imaginer. L'autre fois, je lisais quelques proverbes de M. Albert Einstein. Il dit « L'imagination est plus importante que le savoir ». C'est un débat, et je ne sais pas l'ouvrir maintenant là. Mais ici, j'aimerais bien qu'on puisse un peu s'atteler sur l'imagination. Lorsque l'enfant, déjà, dès l'école primaire, a la capacité de produire par sa propre perception, ce qu'il perçoit, il a l'aptitude de mettre en place ce que lui-même il a conçu sans pour autant être assisté. Bien sûr, le maître peut venir essayer d'aider pour harmoniser les choses. À ces niveaux-là, nous aurons permis aux enfants, déjà après avoir fini l'école primaire, de savoir qu'est-ce qu'il peut être en mesure de faire. Au lieu d'être, quand l'enfant termine l'école primaire, il poursuit avec les secondaires jusqu'à avoir son diplôme de l'humanité et s'est retrouvé en face de ce dilemme de savoir qu'est-ce que je fais. Bon, je vais à l'université comme tout le monde. C'est ce qui arrive généralement. Parce que l'ami a emprunté l'université, je préfère aussi aller à l'université et enfin être nous tous appelés licenciés, in fine. Mais c'est ça le vrai problème. Nous pouvons aujourd'hui essayer un peu d'analyser. Moi, je sors de l'université en 2015, je suis sorti en 2015. Nous en avons produit déjà dans ma faculté plus de 1000 détenteurs de ce diplôme. Vous imaginez vous-même le besoin que le pays a à ces niveaux par rapport aux juristes.
Avant moi, il y a eu des juristes qui sont sortis, bien avant moi, bien avant ceux qui sont... Donc vous voyez déjà qu'il y a une grande quantité de juristes que nous avions jetés sur le marché. Dites bien de dire jeter. J'aime bien l'expression. Jeter. Bon, parce qu'il n'y a pas de politique qui suit après. On ne s'occupe plus de ceux qui sont sortis de l'université. Vous voyez déjà, il y a cette cassure. Après avoir fini l'université vous rejette. Mmh. Vous n'avez plus de quoi imaginer par après. Donc chacun pourra poursuivre de sa manière. Mais moi, je me dis, si à ce niveau-là, on pouvait un peu essayer d'arrêter et d'analyser très froidement avec les besoins que les pays présentent, nous saurons qu'est-ce que nous pouvons produire par après. Nous ne pouvons pas continuer jusqu'en 2017, 2018, 2019, continuer à produire des juristes, des économistes. Bien sûr, nous en avons besoin, mais essayer un peu de réduire avec le nombre par rapport aux attentes du pays. Votre réaction, mais c'est vrai que nous évoluons comme ça, comme le navire aveugle. On n'a pas évalué le nombre de les besoins dont nous avons besoin. On dit tout le monde fait ce qu'il veut. Oui, et c'est pour cela que nous avons pensé que cette émission doit nous conduire à penser un nouveau système. D'abord, faire sortir des têtes de nos... Son père disait... lui voulait faire l'électricité. Son père dit, tu es fou. Voilà. Vous vous rendez compte? Sortir de la tête des parents, de la tête des enfants, qu'il n'y a pas que l'université pour réussir. Ayez de l'imagination et puis inventez votre... réalisez votre rêve pour l'avenir. C'est ça. Donc... En réalité, comme nous l'avons toujours dit, il faut une nouvelle organisation, un nouveau système qui puisse enfin ramasser de façon correcte les préoccupations du Congo tel qu'il est aujourd'hui par rapport à sa vocation. À partir de là, on va se rendre compte qu'en ce qui concerne notre système éducatif, il faut l'adapter à ces nouvelles exigences. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que, avec 80 millions d'habitants, à 60 ou 75% jeunes, très jeunes, les moins de 35 ans, c'est plus de 80% de notre population. Alors donc, c'est cela qu'il faut intégrer, se dire, mais comment on fait pour que une société aussi jeune puisse effectivement s'insérer de façon correcte dans ce monde d'aujourd'hui, de plus en plus dur, de plus en plus féroce avec les faibles. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que la formation générale, bien sûr qu'on doit toujours former tout le monde de manière à ce que chacun puisse avoir cette autonomie, parce que l'autonomisation de chaque individu est un devoir pour une nation. Mais il faut aussi considérer que la formation professionnelle, spécialisé, là où on doit préparer les gens, comme vient de le dire notre ami Mamba, à ce qu'ils soient productifs d'abord. Il faut que nous puissions mettre l'accent là-dessus. Mais aussi, comme nous l'avons dit l'autre fois, la formation de très haut niveau pour les meilleurs, les plus brillants. Il ne faut pas considérer que c'est un mal d'identifier de façon précoce tous les éléments les plus brillants et de les suivre de façon spécifique, parce que Einstein, vous pouvez donner la valeur de quelqu'un comme Einstein? Non, c'est plus que tout ce que vous pouvez imaginer, la tour Eiffel et tout ce que vous voulez, parce que cette seule personne, si vous arrivez à former des Einstein comme ça par dizaines dans tous les domaines, eh bien vous pouvez être sûr que votre pays sera dans de bonnes mains. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que à Lubumbashi, j'ai appris qu'il n'y avait pas d'école spécifique pour les plombiers. Comment je l'ai su? Parce que j'ai assisté au travail d'un plombier. Je lui ai dit, mais vous venez d'où? Ah, je viens au Tikin, d'ailleurs, dans les bio. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous venez? Enfin, ne me prenez pas déjà pour un... Bon, j'ai dit, qu'est-ce qui vous amène ici? Il dit non. Jusqu'ici. Il dit non, moi je suis plombier ici, il n'y a pas eu d'école vraiment spécialisée pour la plomberie.
Et à l'inverse, par exemple, comment on dit, pas la mécanique, la librairie et tout ça, mais ils étaient nombreux formés à Lubumbashi, et quand vous allez dans les imprimeries ici, ils sont nombreux. Ce sont des spécificités qui sont nécessaires pour la reconstruction du pays, les identifier et savoir où sont d'autres besoins, parce que nous sommes quand même au centre du pays, on peut avoir besoin de tous ces spécialistes dans les pays alentours. Mamba, je vous ai surpris en train de prendre des notes, c'est pour rebondir. Oui, exactement. Au fait, vous savez, je pense, hein, à mon humble avis, que en dehors de ce que nous disons, qui est tout à fait classique, c'est un discours assez philosophique, si nous revenons sur Terre, on peut quand même donner des options ou des possibilités. Le dernier budget de la République démocratique du Congo que j'ai parcouru consacrait 1,3% à la recherche scientifique. Au même moment, vous avez les institutions qui consomment 60% du budget. Entendez par institution, le Sénat, le Parlement, la présidence de la République. Lorsque vous prenez le train de vie des députés, qui exige d'ailleurs de manière très croissante que chaque fois leurs émoluments augmentent, il suffit d'émarger ou de s'engager dans une voie d'un ton tout à fait républicain, opposition, majorité confondue, à dire, bon voilà, nous allons diminuer le train de nos institutions par deux, nous allons financer la recherche scientifique, nous allons financer des bourses pour la faculté d'agronomie, pour la faculté de polytechnique, pour ceci et cela. C'est en ce moment-là que nous avons fait le choix de déterminer l'avenir. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'une émission comme la vôtre, qui vaut son pesant d'or, on ne devrait pas se limiter à philosopher simplement. Il faut que les gens et les décideurs qui suivent ce type d'émission prennent des décisions cruciales pour l'avenir de ce pays. Et je pense qu'avec les moyens actuels, en dehors des élections qui vont peut-être nécessairement nous asphyxier, il y a des possibilités de reventiler notre budget pour, au fait, inciter via des gros projets. Regardez le projet Bukang Alonso. On fait venir des gens d'Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'agronomes qui chôment ici. Un seul projet, on vous dit qu'on a injecté 120 millions de dollars. Pour combien d'emplois? Combien de Congolais ont travaillé dans ce projet? Imaginez-vous 120 millions de dollars ventilés dans des écoles d'agronomie, des gens qui ont des bourses, et faire plusieurs petits projets dans plusieurs contrées, vous donner du travail à plusieurs gens et vous avez des résultats, parce qu'en ce moment-là, vous avez des laboratoires, les gens peuvent faire des études sur les cultures et ainsi de suite. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de tout ce que j'entends ici qui est très valeureux, il faudrait qu'à un certain moment, la République se décide de lever des options majeures. Et notamment, comment est-ce qu'avec le peu de moyens que nous avons aujourd'hui, en dehors des partenariats, comment est-ce que nous ventilons? Parce que, pourquoi je le dis? Si aujourd'hui, vous allez à l'Assemblée nationale, vous allez voir qu'il y a plusieurs professions, il y a plusieurs cursus. Mais la politique est devenue une profession. Tous les juristes qui ont été jetés, tous les économistes qui ont été jetés ne seront pas absorbés par le marché de l'emploi. Il suffit qu'il ait le courage de venir critiquer, on va l'appeler opposant, il s'affilie dans un parti et il devient politicien. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il peut gagner 7, 8 000 et 10 000 dollars. Et vous avez 500 personnes qui sont là, qui ne produisent peut-être rien, mais qui consomment peut-être ceux qui pouvaient être affectés à la formation des gens qui peuvent produire pour ce pays. Je ne néglige pas ce travail-là, c'est un travail qui est tout à fait noble. Non. Mais je dis qu'il y a quand même des options à lever, parce que lorsque nous avons des moyens réduits et qu'on continue à ergoter sans prendre des décisions majeures, je pense qu'on est comme ça parti pour des siècles à expliquer les choses sans qu'elles changent. Oui, mais vous avez raison. Mais quand on regarde le système éducatif actuel, effectivement, il faut une réforme parce que, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les professeurs, ils se plaindront toujours, qu'ils ne sont pas bien payés, mais en même temps, les syllabus qu'ils utilisent datent, pas tous, hein, heureusement d'ailleurs, tous datent d'il y a 20 ans avec des exemples mobutistes, enfin on a changé Mobutu en Laurent Désiré Kabila, des exemples comme ça. Quand on voit que ce qui devait animer cet enseignement ne le font plus parce qu'en train de vieillir ou tout simplement parce que pas patriote,
on se pose des questions. C'est vous qui venez de sortir de l'université, vous me donnerez peut-être tort. Effectivement, ce que vous venez de présenter est juste. Moi-même, j'ai parcouru. Vous savez, il y a des cours, le même syllabus, vous ne pouvez même pas venir au cours et vous prenez les syllabus, c'est le même parole qui ont été répétées, voire même les virgules. Et donc, ce sont de questions comme ça que nous essayons un peu de critiquer. Ce n'est pas parce que nous sommes plus étudiants que nous sommes en train de critiquer, mais c'est pour essayer que les gens essaient de voir les choses de la bonne manière. De la même manière aussi, aujourd'hui, les analyses qui sont produites dans cette émission Profondeur, c'est une sémence. Nous osons croire que cela ne tombe jamais sur une mauvaise terre. Celui qui sera en mesure un jour de prendre toutes les analyses produites ici par Profondeur avec tous les éminents intervenants, nous essaierons de mettre en place cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle vision pour ce grand Congo que nous tous nous espérons. Et nous sommes sûrs que nous aurons à définir un grand Congo dans notre pays. Aujourd'hui, les scientifiques, les élites sont peut-être, ce que mon ami parle de la ménopause. Il n'y a plus de production. Nous sommes tous attelés à ce que nous faisons. Asphyxiés. Je ne sais pas si c'est de la conjoncture politique ou nous n'arrivons pas à se situer à ces niveaux. Mais c'est plus les élites qui devaient aujourd'hui donner le go pour le pays. Nous devons plus avoir les yeux rivés vers les intellectuels, vers les professeurs. Encore faudrait-il, comme a dit M. Mouva, que les moyens soient là pour accompagner ces intellectuels. Effectivement, le moyen peuvent toujours suivre. Ce ne sont pas les moyens qui peuvent constituer déjà l'obstacle pour les intellectuels. Je pense bien que lorsque nous avions la capacité de produire des ouvrages, des livres ou des expériences, faire des recherches, c'est bien malheureux que le secteur comme le domaine de la recherche soit négligé. Parce qu'ailleurs, c'est le secteur de la recherche et surtout le secteur de l'école primaire, les ministères de l'école primaire qui est pris en charge, vraiment valorisé, parce que c'est de là où on forme l'enfant. C'est la base. Il faudrait arriver à poser les bonnes bases pour que l'enfant, même après son cursus de l'école humanité, il peut aussi abandonner. Mais du moins, il aura une bonne base qui peut le permettre d'avancer et d'évoluer. D'ailleurs, mon cher ami, quand on terminait la sixième primaire, à l'époque, on savait écrire une belle lettre à ses parents. Bon, c'est pas l'objet. Oui, je crois que nous sommes maintenant en train de voir comment sortir de l'ornière. Et notre ami Mamba montre que déjà, si on fait des économies sur certaines rubriques, ça peut permettre de dégager des sommes qui permettraient de valoriser un tant soit peu les secteurs qui, ailleurs, sont des secteurs stratégiques, la recherche. Je suis d'accord avec lui, mais en même temps, je me dis que aujourd'hui, avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire le potentiel d'aujourd'hui, le Congo peut mobiliser en termes de ressources budgétaires, je ne suis pas le seul à le dire, au moins 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, on a à peine, je crois, 7 milliards ou 8 milliards pour l'année de l'exercice 2017. Donc, il faut plus demander à ce qu'il mobilise ce qui peut être mobilisé, parce que rien que pour l'éducation et la recherche, pour nous, il faut au moins 6 milliards pour l'éducation aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près l'équivalent du budget de cette année, au moins 1 milliard pour la recherche, si on veut donner un vrai contenu à cette recherche et mobiliser effectivement les chercheurs qui sont là, mais qui n'attendent que le minimum pour commencer à produire. Donc, aujourd'hui, il faut se dire, le minimum, c'est 20 milliards qu'il faut mobiliser. Il ne faut pas continuer à faire... à être indulgent par rapport à ce qui se fait, à dire, bon, on n'a que 7 milliards, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Vous pouvez atteindre 20 milliards, il faut les avoir, il faut les mobiliser pour que vous puissiez dégager au moins le tiers à consacrer à l'éducation et à la recherche. C'est à ce moment-là que le reste du monde va se dire qu'on commence à devenir sérieux et crédible. Donc, la recherche, pour nous, est vital et il ne faut pas y aller avec des miettes, il faut y aller vraiment avec des sommes qui sont conséquentes. Donc,
la recherche et l'éducation, au moins 7 milliards. Évidemment, les infrastructures aussi doivent être financées, etc. Dans les 20, dans les 20 on trouvera toujours au moins 20 milliards pour les routes, 2 milliards pour les routes, 2 milliards pour les chemins, ainsi de suite. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va se dire, tiens, le Congo enfin se réveille. Tout à fait. Et si nous le réveillons, c'est l'Afrique qui se réveille. Monsieur Mamba. Je comprends bien l'intervention. Je voulais juste dire que toute proportion gardée, le même tiers peut être appliqué aux recettes actuelles. Je suis en train de dire que nous avons eu deux mandatures pendant lesquelles un député national gagne en moyenne 6 à 7 000 dollars. Imaginez-vous le scénario où il était ramené à 2 500 dollars, ce que je trouve tout à fait logique parce que nous n'avons pas de ratios sociaux. Vous savez, dans les pays européens occidentaux, il y a une forme d'équilibre en forme de justice sociale. C'est-à-dire que le moins payé par la République, le huissier de l'État, ne peut pas avoir 100 fois moins ou 200 fois moins que celui qui est le plus payé. Ici, nous avons des ratios du genre, un député gagne 10 000 et vous avez le dernier huissier quelque chose qui a moins de 100 dollars. Donc nous sommes à 100 fois. Ce que je dis, c'est que chacune de ces personnes, chacun de ces groupes participe au développement de la République. Les députés, le huissier aussi. Mais les étudiants et les futurs chercheurs aussi. Alors, je suis en train de plaider pour un réajustement, sans des projections sur un budget de 20, de 30 milliards, pour ramener les fameux 10 000 dollars à 2 000, 3 000 dollars et voir comment est-ce qu'on peut soulager les autres secteurs, même substantiellement, parce il y aura des effets. Parce que le professeur se contente, il vit avec 2 000 dollars. Le dernier professeur que j'ai eu dans ma vie, c'est un professeur belge. Il gagnait pas moins de 5 000 euros. Mais lorsque vous voulez avoir un rendez-vous avec lui, lorsque vous voulez parler avec lui, il vous dit, il sort son agenda, il a tout un calendrier, parce qu'il consacre toute sa vie à la recherche, financée par l'université. C'était un sociologue, donc il quitte Bruxelles, il va dans le Laos. Il va faire 2 mois avec cette communauté pour comprendre comment il fonctionne. Lorsqu'il revient, il fait un séminaire. Et ils sont évalués quotidiennement. Mais qu'est-ce qui se passe avec nos professeurs? Ils sont pleinement décités de véhicules, c'est comme s'ils étaient en train de demander qu'on les paye correctement. Et vous allez voir un professeur qui cumule, qui vit beaucoup plus de la vente des syllabus que ce que l'État le paye. Parce que finalement, nous n'avons pas compris que lorsque nous avons un brevet d'invention, il peut générer beaucoup plus de millions que certaines taxes dans ce pays. Vous imaginez un peu les personnes qui ont fabriqué les médicaments contre certaines maladies qui sont incurables. Vous savez combien ça rapporte à ces firmes-là? Quelle est la deuxième force de l'Allemagne après tout ce qu'ils ont dans l'industrie? Mais l'industrie pharmaceutique allemande, mais c'est le budget de toute l'Afrique. Ça veut dire que vous pouvez prendre à peu près 40 pays, ça n'équivaudra jamais à ce que l'industrie pharmaceutique allemande produit. Mais c'est sur base de quoi? C'est sur base des brevets d'invention, de la recherche. Donc jusque-là, nos autorités n'ont pas encore compris effectivement que c'est rentable. Pour eux, c'est du formalisme. Et c'est comme cela que lorsqu'ils construisent leur budget, même au niveau de l'Assemblée nationale, ils ne veulent pas qu'on touche aux postes qui touchent directement à leur quotidien. Parce qu'ils se disent que, bon, oui, ça c'est du blabla, éducation, recherche scientifique, culture, c'est 1%. Vous savez que dans certains pays, lorsqu'on parle de la colonisation, pour revenir très rapidement, les gens pensent qu'un matin, un blanc se réveille et dit « je vais en Afrique, puis je vais faire ceci et cela ». Mais non, il y a eu des philosophes qui ont pensé 50 ans plus tôt de comment est-ce que nous allons faire pour avoir une société équilibrée, pour avoir des richesses, comment est-ce que nous allons faire pour contrôler les richesses dans les autres pays. Ils se mettent à écrire, mais ils sont payés pour ce travail. Et vous, vous vivez le résultat, au mieux dire, vous le subissez. Conclusion, je dis, excusez-moi, malheureusement, je parle souvent beaucoup. Alors, conclusion, il faudrait effectivement que des grandes décisions soient prises, de telle sorte que les effets se ressentent de manière très concrète avec les moyens qui sont disponibles. Voilà, cette émission est terminée. Alors, la question qu'il faudrait que nous nous posions tous est celle de savoir si nous aimons ce pays ou si nous aimons nos enfants, parce que si nous les aimions ou si nous les aimons, ils méritent une formation intéressante, une formation susceptible de donner du travail au plus grand nombre, une formation élitiste pour faire de nos chercheurs des grands chercheurs. Ça rapporte, a dit M. Mamba, et il a raison. Donc, ce pays a besoin d'une école
qui pourra le sortir de l'ornière dans laquelle elle se trouve. C'est seulement comme ça que nous nous développerons et que nous participerons au développement de l'Afrique. Parce que nous sommes au cœur de l'Afrique et ce n'est pas un hasard. C'est seulement comme ça que nous distribuerons de la manière la plus intelligente toutes ces richesses que nous possédons, qu'il faut transformer d'abord avant de les partager entre nous et pour le reste, de les partager avec les autres frères. Cette émission est terminée. La prochaine, eh bien, c'est la semaine prochaine. Bonsoir et à la semaine prochaine. Merci, messieurs.